Bien, bonsoir à tous. On va commencer. Donc, je vais procéder à l'appel. Alors, peut-être que c'est la dernière fois que je procède à l'appel, parce que ce que j'ai demandé, sachant que c'est un peu redondant, on n'est pas obligé. On fera un cahier de présence à l'entrée, comme vous avez à l'agglo. Et à l'agglo, je ferai la même chose, je ne ferai plus l'appel. Parce que, bon, c'est un peu long et redondant à chaque fois. Alors, Philippe Décroux est présent. Luc Chevalier. Dominique Brunel. Loïc Migné. Martine Vitton. Henri Pérez. Il a le pouvoir, donc ça, il m'a donné son pouvoir. Noura Bellili, Franck Brolier, qui a donné pouvoir à Monsieur Chevalier, Christelle Petit, Véronique Hortense, Servet Yaoué-Déhou. Il devrait pas tarder normalement. Alain Delgeyer, Aurore Capdevila, Micheline Barrault, Francis Taramanana, Marc Fourré, Madame Rodia Tété. J'ai dit Marc, oui, c'est bon. Michel Hacpan, Rodolphe Le Guen, Martine Guilhem, Amina Amadé, absente, Anicet Fabriano, Francis Robin Leroy, Maria Pia Manzano, vient juste d'arriver, formidable. Aline Ennuyé, pas encore arrivée. Ensuite, Marin Hung. Virginie Vienne, Julien Degliam, alors absent ou peut-être va arriver, je ne sais pas, et Madame Nancy Etina, qui est présente. Voilà. Pardon? Ah, Monsieur Yaoué-Déhou vient d'arriver. Bienvenue. Donc oui, on a pris la décision ce soir d'avancer un petit peu le conseil, puisqu'on organisera après un petit moment ensemble. Donc, c'était mieux de se voir à 19h30. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir accepté. Je vais déjà nommer le secrétaire de séance. Alors, qui c'est aujourd'hui? Je n'ai même pas ma feuille. C'est après Christelle? C'est qui? Véronique? Véronique Hortense? Vous êtes d'accord? Tu l'acceptes? Donc, c'est la secrétaire désignée d'office, comme on dit. Donc, merci à elle.
Donc, avant de passer à l'ordre du jour, il y a du conseil, on va expliquer un petit peu. Enfin, Loïc souhaite prendre la parole pour vous expliquer un petit peu les nouvelles conditions de test de l'enregistrement et de la diffusion du conseil municipal. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, nous testons un nouveau système qui est un système de diffusion automatique. Donc, déjà, la diffusion du conseil municipal pourra démarrer automatiquement, sans nécessité du personnel du service de communication, spécialement le lundi soir à 8h30. On pourra de plus le diffuser vers deux plateformes, YouTube et Facebook, voire plus à l'avenir. Et c'est un système automatisé avec plusieurs caméras. À chaque fois que vous allez prendre la parole avec votre micro, les caméras choisiront le plan qui vous correspond. Donc il y a trois caméras, il y en a une face au maire, qui va prendre toutes les personnes qui sont sur cette branche-là du U. Et après, les deux autres caméras vont pouvoir prendre chacune des autres branches du U. Donc, il faut un petit moment avant que la caméra fasse la synchro. Et puis, il y a un décalage aussi. Si vous regardez la diffusion en direct sur Facebook, il y a un décalage d'une quinzaine de secondes entre la captation des images et la diffusion. Et puis, surtout, déplacez pas trop les micros, parce que c'est le numéro du micro qui va conditionner l'angle choisi par la caméra pour l'informer de l'angle à prendre pour la prise de vue. Donc voilà, donc j'espère que vous serez tolérants sur les pannes techniques ce soir puisqu'on est en test, mais en tout cas les premiers essais ont bien fonctionné, donc j'espère qu'on pourra généraliser le dispositif. Voilà, merci. Il n'y aura pas forcément de panne technique. Hein. On ne va pas se porter la poisse pour ce soir. Voilà. Donc pour l'instant, ça va. Je le démine. Donc en fait, simplement, quand vous souhaitez intervenir, vous levez bien la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Comme ça, ça évitera que la caméra tourne dans tous les sens si jamais quelqu'un prend la parole. Mais bon, c'est en fait en synchro avec le système que vous avez devant vous quand vous appuyez. D'accord ? Donc, l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 29 mars 2021. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Pas de commentaires ? Non ? Donc, je vous propose de passer directement au vote sur ce compte-rendu. Donc, quels sont ceux qui sont contre ? Qui s'abstiennent. Donc vote à l'unanimité. Donc le point numéro 1 donc de l'ordre du jour, modification du règlement de fonctionnement des crèches municipales. Alors c'est Christelle Petit qui va nous expliquer tout ça. On va voir si ça fonctionne. Merci. Merci Monsieur le maire. Bonsoir Mesdames, Messieurs les élus. Le règlement de fonctionnement a pour objet de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement des crèches mises en place par la ville de Séris, ainsi que les règles à respecter pour les familles utilisatrices. Il convient de réviser le règlement de fonctionnement afin d'apporter une simplification dans l'obtention des autorisations des familles, d'apporter à la connaissance des familles la participation de la ville, enfin de la commune de Séris à l'enquête Filouée, pardon. Donc c'est un fichier localisé des usagers des établissements accueillant des jeunes enfants, mis en place par la caisse d'allocation familiale, dont l'objectif est de suivre les caractéristiques des publics accueillis au sein des crèches pour améliorer le service aux familles. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications apportées au règlement de fonctionnement des crèches municipales. Tout ça, bien sûr, ça a été vu en commission. Est-ce qu'il y a des remarques ? Des commentaires ? Non, pas de remarques, pas de commentaires. Ben, je vous propose donc de passer au vote. Donc, quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent ? Donc, vote à l'unanimité. Le point numéro 2, dénomination du relais petite enfance, RPE. C'est pas grave. Pour rappel, le relais des assistants maternels communaux a été créé en mai 2017. L'ouverture d'un local dédié depuis le 25 mai 2021 et la réforme des modes d'accueil posent la question du nom de cette nouvelle structure. En effet, conformément au nouveau décret, en septembre 2021, les relais assistants maternels deviennent des relais petite enfance. La commune a fait le choix de donner un nom qui puisse symboliser les missions de la nouvelle structure. Pour rappel, les missions principales sont... Donc un lieu d'information en direction des parents et des professionnels de l'accueil à domicile ou des futurs professionnels au travers de permanences administratives. C'est un lieu également d'animation au travers d'ateliers d'éveil et de temps collectif. Le nom retenu pour le nouveau local du relais Petite Enfance est la Petite Boussole. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir dénommer le relais Petite Enfance.
Y a-t-il des remarques, des questions? Voilà, la petite boussole. Tout le monde est d'accord? Donc, alors, je suis obligé de dire quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent. Donc, vote à l'unanimité. Ensuite, le point suivant, numéro 3, modification du règlement de fonctionnement du RAM et RPE communal. Le règlement de fonctionnement pose le cadre des différentes missions portées par le RAM relais des assistants maternels. L'ouverture d'un local dédié et la mise en œuvre de la loi ASAP, accélération et simplification de l'action publique, portant sur les modes d'accueil, requiert la révision du règlement de fonctionnement. Les modifications sont les suivantes. Les relais assistants maternels se nomment désormais des relais petite enfance. L'ensemble des actions du relais petite enfance se dérouleront au sein du même lieu situé 8 rue de Navarre. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications apportées au règlement de fonctionnement du relais assistant maternel communal. Des questions? Pas de questions. Donc je propose de passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Donc vote à l'unanimité. Merci Christelle. Le point suivant, il s'agit d'une attribution d'une subvention par le département pour le fonctionnement de l'école municipale multisport. Alors c'est M. Pérez mais qui m'a donné son pouvoir qui devait le présenter, donc je vais vous le présenter. Donc le département qui est l'un des acteurs qui contribue à la promotion, au développement des, des activités physiques et sportives, dans ce cadre, le conseil départemental de Seine-et-Marne donc, a décidé d'approuver son soutien aux écoles municipales des sports, donc EMS de Seine-et-Marne, pour leur action en faveur de l'éducation des jeunes par le sport. Il a ainsi été décidé d'établir une convention afin de définir les engagements réciproques du département de la ville de Serris pour la saison 2020-2021. Le montant de la subvention allouée par le département à la ville est donc de 5 790 euros. Voilà, il vous est demandé donc d'approuver la subvention et de m'autoriser à signer la convention correspondante. Donc il s'agit juste de m'autoriser à obtenir un peu d'argent du département. Je ne pense pas que vous aurez d'objection. Y a-t-il des questions? Non, bon, c'est à peu près le même montant à chaque fois, pas très loin. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Donc vote à l'unanimité. Ensuite, point numéro 5. Il s'agit de la régularisation des frais de notaire de plusieurs dossiers d'acquisition avec l'établissement public d'aménagement, donc EPA France. Donc j'imagine que c'est M. Delgeyer qui va nous présenter ce point. Absolument. Bonsoir à tous. Donc suite à des échanges avec EPA France, il s'avère que plusieurs délibérations concernant des acquisitions ou des rétrocessions de voiries doivent être modifiées. En effet, ces délibérations faisaient supporter à l'EPA France l'intégralité des frais de notaire. Cependant, il était conclu entre la ville et EPA France que pour les rétrocessions de voiries ou d'espaces verts, les frais de notaire seraient partagés par moitié entre les parties et que pour les acquisitions de terrain, les frais de notaire seraient pris en charge en totalité par la ville. Pour les rétrocessions de voiries ou espaces verts, par délibération du 24 juin 2019, le conseil municipal a autorisé à l'euro symbolique la rétrocession de 7 parcelles de voiries et d'espaces de l'EPA. Ces parcelles concernent des voies, des espaces publics et places qui ont vocation à intégrer le domaine public communal séricien. Cependant, l'article 3 de cette délibération doit être modifié afin que les frais de notaire soient partagés en parts égales entre l'EPA France et la ville de Serris. Donc, l'ancienne rédaction pour l'article 3 dit que les frais de notaire seront à la charge de l'EPA France-Marne. L'article 3 modifie la délibération 2019-42 qui prévoit que les frais de notaire étaient supportés intégralement par l'EPA France et conformément à la convention signée comme suit, les frais de notaire seront supportés par moitié entre EPA France et la ville de Serris. Vous avez donc la liste des 7 parcelles correspondant donc à cette modification. Donc nous demandons au conseil municipal d'acter effectivement cet article. D'autre part, pour les acquisitions, de plus, par délibération des 18 février 2019 et 24 juin 2019, le conseil municipal a autorisé l'acquisition de 3 parcelles auprès d'EPA France et EPA France Marne, pardon, pour la construction du relais d'assistance maternelle, donc le RAM. Il est nécessaire de modifier leur article 3 comme suit. Les frais de notaire seront à la charge exclusive de l'acheteur, soit la ville de Serris. L'ancienne rédaction
Article 3 dit que les frais de notaire seront à la charge de l'EPA France-Marne et la nouvelle rédaction. L'article 3 modifie la délibération 2019-6 de la délibération 2019-38 qui prévoit que les frais de notaire étaient supportés intégralement par l'EPA France comme suit. Les frais de notaire seront à la charge exclusive de l'acheteur, soit la ville de Serris. Les trois parcelles sont les suivantes, AI 258, 261 pour une délibération du 18-2-2019 et A365 pour une délib du 24-6-2019. Les autres articles de ces délibérations restent inchangés. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver les modifications des délibérations susvisées. Bien, ça a été de grandes discussions pour que ce soit bien rédigé, pour que tout le monde comprenne. Bon, en même temps, il faut, je pense, être complètement dans le dossier de l'urbanisme pour comprendre. Absolument. Donc, ceux qui étaient présents, commission urbanisme, eux, ont tout compris. Donc voilà, c'était une discussion qu'il y avait, elle était avec l'établissement public d'aménagement de partager les frais de notaire. Et puis après, des régules de parcelles que tu viens de préciser. Y a-t-il des questions sur ce point-là? Pas de questions? Eh bien, ça nous arrange. Donc, je vous propose de passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Donc, Aline, qui, bien sûr, travaillant à l'établissement public d'aménagement. Donc, c'est une non-participation au vote à chaque fois. Il faut le préciser avant. On va le noter comme tel, c'est une non-participation au vote, ce n'est pas une abstention. Donc, c'est donc vote à l'unanimité s'il n'y a pas de vote contre. D'accord? Merci. Le point suivant, toujours Alain Delgeyer. Non, c'est pas toi, il me semble. C'est le point... On est au 6, non, c'est ça? Je l'ai pris par surprise. Si, c'est pour l'avenue Alan Turing. Non, mais je m'étais endormi, c'est pour ça. Donc... Acquisition de la parcelle YB numéro 136, avenue Alan Turing. Donc, afin de réaliser le projet des jardins familiaux, les parcelles YB 53, 54 et 55 ont été acquises. Dans la continuité des acquisitions, la parcelle YB 136 d'une superficie de 5584 m2, 6 avenue Alan Turing, reste à acquérir. Il est donc demandé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à procéder à l'acquisition de la parcelle YB 136 pour 1 euro symbolique, à signer l'acte d'acquisition et à approuver les frais de notaire comme étant à la charge de la commune. Alors, juste à préciser que c'est l'établissement public d'aménagement qui nous cède la parcelle à l'euro symbolique. Enfin, qui nous la vend, puisqu'on n'a pas le droit de nous la céder, mais qui nous la vend à l'euro symbolique. Ah, monsieur Julien, qui internet vient d'arriver, donc bienvenue. Donc au point 6, donc il pourra participer au vote. Formidable. Donc voilà, donc ça c'était dans le cadre des jardins familiaux. Là, c'est une partie de la parcelle qui va être utilisée et qui est sur la propriété, qui est la propriété de l'établissement public d'aménagement. Voilà. Quels sont ceux qui. Enfin, y a-t-il des questions par contre d'abord? Du coup, moi je ne prends pas part au vote. Alors, d'abord les questions. Donc pas de questions. Donc Aline ne prend pas part au vote pour les mêmes raisons. Donc ensuite, on va passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Donc vote à l'unanimité. Merci. Le point numéro 7, il s'agit de l'exonération des droits de terrasse pour 2021. Alors, je suis noté comme rapporteur, mais c'est un peu plus ou des finances ou du développement économique. Tu as la note devant toi? Non? Bon, je vais la présenter ou... tu veux... Non, je vais la présenter, en fait. C'est vrai que c'est une décision un peu quand même politique et symbolique. Donc, vous le savez qu'on a, sur l'ensemble du Val d'Europe, eu de grandes discussions avec les maires pour que le territoire aide un peu nos restaurateurs qui étaient, disons, pour la plupart du temps fermés pendant la période de Covid. Donc, on a voté une exonération déjà l'année dernière, en 2020, pour les droits de terrasse. Il s'agit donc de tout ce qui est surface qui sont sur lequel on exige des droits de terrasse aux restaurateurs moyennant un prix au mètre carré, selon le que ce soit disons ici sur la place de l'Hôtel de Ville, sur la place de Sarria. Il y a aussi la place d'Ariane, sauf que la place d'Ariane, c'est pas la commune, c'est une propriété de Val d'Europe Agglomération, donc c'est eux qui font les droits de place. Donc on a pris la décision, les 10 communes et l'Interco. Donc d'exonérer pour 2020
l'ensemble des droits de place et on propose de, pour demain 2021 de bien sûr faire exactement la même chose. Juste pour information, on a eu un conseil d'administration avec l'établissement public à l'établissement public d'aménagement justement, où on a demandé à l'établissement public, en conseil d'administration, d'exonérer aussi des droits de place des gens qui étaient sur des terrains qui n'étaient pas encore rétrocédés aux communes. En l'occurrence, c'était sur Chessy aussi, où les commerces qui étaient sur Chessy, eux, ils sont sur une propriété qui est encore à l'établissement public puisque ce n'est pas rétrocédé. Auquel cas, il a fallu faire la même chose au niveau de l'établissement public. Donc voilà. Donc tous ces commerces, en gros, seront exonérés sur 2020-2021 des droits de place. En même temps, ce qu'on a permis, c'est justement de leur donner la possibilité d'étendre leur terrasse et quasiment de, pour tous ceux qui avaient une terrasse et qui pouvaient le faire, de doubler pratiquement la surface possible. Alors vous l'avez vu de l'autre côté, que ce soit à l'Interprète ou dans le bourg, pareil, du côté de Saria ou ailleurs du côté de l'Indécence ou un petit peu partout aussi sur la place d'Ariane. Voilà. Donc c'était la manière qu'on avait de pouvoir aider un petit peu tous ces restaurateurs qui ont bien souffert pendant cette pandémie. Voilà. Donc ce qui vous est proposé dans ce point bien précis, c'est disons, d'exonérer pour 2021 les droits de place qui sont exercés sur le domaine public. Voilà. Principalement pour les restaurateurs d'ailleurs. Alors à titre d'information, ça représente en gros une vingtaine de milliers d'euros, c'est ça ? Sur l'ensemble de la commune. Donc en gros, forcément, c'est un manque à gagner de 40 000 euros pour la commune, mais au regard de ce qu'ont perdu tous ces restaurateurs, c'est franchement pas grand-chose du tout pour nous. Voilà, c'est un esprit de solidarité. Y a-t-il des questions, des remarques ? Non ? Pas de questions, pas de remarques. Donc je vous propose de passer au vote. Donc quels sont ceux qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Donc vote à l'unanimité. Merci pour eux. Ensuite, on a la carte adhérent salle de spectacle. Cette fois-ci, c'est pour toi, Madame Brunel. Bonsoir. Donc, le décret 1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures nécessaires dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 a conduit la commune à fermer les structures à caractère culturel. Afin de ne pas pénaliser les titulaires de la carte adhérent aux salles de spectacle, la commune souhaite prolonger la durée de validité des cartes acquises pour la période 2020-2021 sur l'année 2021-2022. Dans un second temps, il est nécessaire d'étendre la validité de cette carte à la ferme des Tournelles de Chessy et à la salle L'Atmosphère de Coupe-Vray, au même titre que les autres salles partenaires, c'est-à-dire Filsette à Magny-le-Hongre et la ferme de Corsange à Bailly-Romainvilliers. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le report de validité des cartes culturelles de l'année 2021-2022 et d'étendre la validité des cartes à la ferme des Tournelles de Chessy et à la salle L'Atmosphère de Coupe-Vray. Voilà, donc toujours dans le cadre un peu de l'intercommunalité, on essaye de faire en sorte que chacun puisse, enfin que les cartes de réduction puissent être valables sur l'ensemble des salles du Val-d'Europe. Donc voilà pourquoi on étend un petit peu tout ça. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Donc je vous propose de passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Donc vote à l'unanimité. Point numéro 9, c'est ça ? Donc il s'agissait de Planète Sport, le report des frais d'inscription sur la période de 2020-21 sur 2021-2022. Voilà, le décret numéro 2023-10 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures nécessaires dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, a conduit la commune à fermer les structures sportives et à annuler toutes les activités. Afin de ne pas pénaliser les usagers, la commune souhaite pouvoir reporter les frais d'inscription versés pour l'année 2020-2021 sur l'année 2021-2022. Ainsi, les adultes maternelle, alors enfants donc inscrits en 2020-2021 qui n'ont pas obtenu de remboursement de leurs frais d'inscription pour cette saison et qui souhaitent se réinscrire aux activités de Planète Sport pour l'année 2021-2022 seront exonérés des frais d'inscription. Par contre, les classes élémentaires ne sont pas concernées par cette exonération car les activités ont perduré pendant la période de Covid-19. Le sport en effet était remplacé par des activités ludiques encadrées par les éducateurs sportifs. Voilà, les adhérents concernés, 75 adhésions à Planète Sport, adultes et aînés, avec une adhésion annuelle de 40 euros, et 66 adhésions à Planète Sport maternelle,
adhésion qui est selon le quotient familial. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser l'exonération des réinscriptions à Planète Sport pour l'exercice 2020-2022, pour les adultes et les maternelles, c'est-à-dire à la rentrée prochaine. Voilà, je pense que c'était une mesure nécessaire qui convient à tout le monde et qui était quand même logique de prendre en période de pandémie, sachant qu'on n'a pas assuré, disons, le service, même si on a, nous, continué à payer tout le personnel. Parce que je tiens juste à rappeler que, autant les entreprises privées ont eu un soutien de l'État pour payer leur personnel, nous, on a continué à les payer sans aucun soutien de l'État. Voilà ce qu'il faut quand même préciser. Voilà, mais pour autant, on exonère les familles, disons, d'un service qui n'a pas été rendu. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Donc, vote à l'unanimité. Ensuite, le point numéro 10, il s'agit de commerce. Donc, je donne la parole à Dominique qui va nous parler d'un bail commercial pour l'avenue de Sarria. Peut-être repère un peu l'historique, peut-être juste avant, ouais. Comment tu as prévu de le faire, bah, sur la pharmacie, etc. Oui, bah, c'est exprimé. Hein, je te laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, en 2016, monsieur le maire avait décidé de préempter le local du 14 avenue de Sarria, occupé par la pharmacie du bourg de Séris. Il s'agissait d'engager une politique de maîtrise et de sauvegarde du commerce du bourg. Malheureusement, le pharmacien locataire des murs était en redressement judiciaire, suivi très rapidement de liquidation. La pharmacie n'avait pas pu être sauvée. Après une réflexion sur le type de commerce à mettre en place dans ce local de 190 mètres carrés, il a été décidé de le louer à l'opticien du bourg, Visuel Optique, qui souhaite s'agrandir. Il est déjà dans la même rue, donc ça ne pose aucun problème pour sa clientèle. Le local sera loué et aménagé par son locataire sous les conditions d'un bail commercial classique, dit 369. Pour permettre son aménagement sans alourdir les charges du futur locataire, il est proposé d'autoriser le locataire à effectuer les travaux de septembre à décembre 2021. Son bail commercial commencera quant à lui au 1er janvier 2022 pour une durée maximum de 9 ans avec possibilité de renouvellement. Il sera consenti pour une première période de 36 mois entière et consécutive. Après cette période, le bail sera reconduit tacitement pour deux nouvelles périodes de 36 mois. La ville ou le locataire auront la faculté de donner congé en résiliant le présent bail en signifiant à l'un ou l'autre 6 mois avant la date anniversaire de reconduction ou avant le terme du bail, son intention par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Le montant du loyer mensuel est fixé à 3 900 €, toutes taxes comprises et charges de copropriété comprises, payables par avance. Le loyer sera révisable annuellement suivant l'évolution de l'indice des loyers. Il est donc demandé au conseil municipal de fixer le loyer municipal du local à 3 900 € TTC, charges de copropriété comprises, pardon, et d'autoriser monsieur le maire à signer le bail avec le locataire pressenti. Merci Dominique. Donc juste préciser que ça faisait un moment qu'on discutait avec le preneur, que la période du Covid a été forcément un peu plus compliquée et qu'elle a reculé un petit peu tout ça. Après, il fallait trouver aussi, disons, un accord pour que ça puisse être aussi viable. C'est vrai qu'on avait un intérêt. Alors, il s'agit d'une activité. Alors, il s'agrandit, mais c'est une activité qui est rajoutée puisqu'il va faire aussi, au-delà de l'optique, vous savez, très souvent, c'est qu'il va faire aussi tout ce qui est appareil auditif. Donc, ça va rajouter aussi... disons, une nouvelle activité à l'intérieur de son local. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est là maintenant depuis bon nombre d'années et qu'on était, disons, plutôt enclin à favoriser, disons, les extensions possibles des commerçants locaux qui ont déjà participé en contribuant aux taxes locales, hein, puisque c'est un peu le cas, bien sûr. Et donc, on a un petit peu réfléchi sur le sujet. Et c'est vrai que c'est un local qui est bien situé, qui est à l'angle et qui se permettra d'avoir, disons, un aménagement un petit peu différent que de voir une pharmacie toujours qui n'existe pas. Bon, voilà. Pour autant, la pharmacie du bourg, elle, a bien été maintenue.
Les discussions ont plus qu'abouti et avancé. Donc, on a la signature, je crois, prochaine, non, sur le bail aussi, sur la pharmacie. Voilà. Donc, bien préciser que ce sera dans l'opération Édouard Denis qui est dans le bourg et qu'on a défendu le fait qu'il n'y aura pas de pharmacie dans le centre urbain avant que celle du bourg puisse voir le jour. Donc vous savez qu'après, il suffit d'avoir un certain nombre d'habitants pour que la pharmacie qui est prévue, Jacques Declet, parce qu'il y aura une troisième pharmacie aussi qui est prévue en accord avec la SODES, qui est l'organisme qui va, enfin l'organisme privé, puisque c'est une structure qui achète des locaux et qui les reloue après, mais avec qui on peut gérer. C'est elle qui a aussi tous les commerces de la place d'Ariane, avec qui ça se passe très bien, hein, qui nous permet à chaque changement, parfois de locataire, de pouvoir avec elle, disons avec cette structure, choisir le type d'activité qu'on souhaite dans l'intérêt général et des habitants et du quartier. Voilà, donc c'est bien ficelé. Et donc il y aura une arrivée prochaine de la pharmacie dans le bout qui sera concomitante avec l'arrivée, la fin du chantier d'Édouard Denis, qui est prévu fin 2023, c'est ça? J'ai plus la... Non, 21, non, 22. 22, pardon. Donc voilà. Donc ça aura été long, mais comme on dit, parfois il faut savoir attendre pour que les choses se passent bien, parce qu'après c'est irréversible. Voilà. Mais en fait, on avait bien défendu le fait que la pharmacie dans le bourg soit prioritaire. Voilà, donc le bourg récupérera sa pharmacie. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions, sinon, sur le bail en question? Bon, c'est un bail classique, hein, pour ceux qui connaissent les bails de droit privé. C'est un bail 369, forcément reconductible. Et de toute façon, tant que le locataire paye son loyer et qu'il ne pose aucun souci, il n'y a aucune raison qu'il ne reste pas de nombreuses années. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous propose de passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Eh bien, vote à l'unanimité, donc je pourrais signer le bail. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Point numéro 11, c'est les communications des décisions prises par le maire en vertu de l'article, etc., etc., 21-22. Voilà, si vous avez des questions ou pas de questions, c'est des décisions prises par monsieur le maire depuis le dernier conseil municipal. Si vous n'avez pas de questions, c'était le dernier point de l'ordre du jour. Alors, on aurait été très rapide ce soir. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un petit truc après. Ou alors, c'est parce qu'on a vraiment bien travaillé. Ça a bien fonctionné, non, là-bas? Oui. Parfait. Bon, tout le monde est content. J'ai un petit point d'information à faire. Donc, avant de clore la séance du conseil municipal... Donc, je suis dans l'obligation de vous informer que j'ai lancé une procédure de décharge de fonction qui concerne notre directeur des services techniques, Fabrice Genet, qui ne sera donc plus positionné sur l'emploi fonctionnel de DST, directeur des services techniques, à partir du 1er octobre 2021. Voilà, ça, c'était une obligation, une information que j'avais obligation de vous faire ce soir. Le conseil municipal est terminé. Je voudrais juste souhaiter un très bon anniversaire à notre directrice générale des services qui est juste derrière. Donc, bon anniversaire pour ses 23 ans. Je ne sais pas, c'est le chiffre qu'on m'a donné, c'est pas loin. Et surtout la remercier de son arrivée, de son bon travail avec les équipes. C'est jamais simple de prendre des fonctions, surtout quand on n'a jamais occupé le poste. Donc voilà, avant de conclure le conseil municipal, je voulais quand même vous remercier et puis vous souhaiter quand même de bonnes vacances, parce que tout le monde va partir en vacances. Je sais que vous partez bientôt. Moi aussi un peu quand même, j'espère, hein, quand même. Et puis d'autres seront là pour prendre le relais. Donc vous souhaitez à toutes et à tous de bonnes vacances dans une période qui a été plus que complexe pour nous tous, à la fois pour le travail, à la fois pour votre rôle d'élu, parce que je rappelle que la plupart des élus ont un métier et doivent gagner leur vie autrement. Donc, c'est jamais simple dans cette période. Alors, beaucoup ont fait aussi un peu de télétravail. Ça vous a permis d'être un peu plus souvent sur ces risques, pas forcément en étant forcément ravis tout le temps. Espérons que l'été va bien se passer pour tout le monde.
surtout de retrouver une vie à peu près normale en septembre, ce qu'on espère quand même à peu près tous. Voilà, donc on est en train de reprogrammer les choses en partant de ce principe-là pour que considérer qu'en septembre, alors j'espère que vous avez, tout le monde est vacciné ici, hein. Je dis bien presque, donc ça n'empêche que je milite fortement parce qu'il suffit de regarder les chiffres pour bien comprendre que ça a quand même une importance, même si je sais qu'il existe des réfractaires, c'est un peu comme pour les rayons X, là c'est pour autre chose. Il y a des réfractaires, mais voilà. Mais bon, je pense que dans peu de temps, ça va devenir obligatoire. Donc les réfractaires seront un petit peu obligés, que ce soit dans les métiers ou un petit peu partout. Donc je ne veux pas parler de politique générale. Vous remerciez tous parce que la période a été compliquée. Je le dis aussi bien à l'agglomération que dans les communes, dans vos familles aussi. On a tous depuis peu. Donc c'est pour ça que je dis vive le vaccin, peut-être eu la possibilité de revoir des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, de pouvoir remanger un petit peu et de profiter. Je pense que ceux qui nous regardent sur Facebook, c'est à peu près la même chose. Donc profitez bien de vos vacances et puis revenez surtout en pleine forme parce que je peux vous dire que la rentrée va être extrêmement chargée. Et puis pour tous ceux qui sont de jeunes élus quand même, nommés seulement depuis un an dans cette période où malheureusement on n'a pas fait grand-chose au sens des événements avec la population puisque tout a été annulé. Alors je vois qu'Alain qui sourit parce qu'évidemment tous ceux qui sont dans l'opérationnel et en l'occurrence à l'urbanisme, dans du développement éco, dans tout un tas de délégations, on voit la ville qui pousse et forcément il y a beaucoup de travail, donc on est pour beaucoup du soir au matin appelé. Donc à ce titre, je remercie tous ceux qui sont au charbon. Voilà. Et puis tous ceux qui ont été un peu plus dans la détente du fait de l'annulation de tous les événements, préparez-vous quand même, reposez-vous et préparez-vous pour la rentrée parce que ça va être, disons, on espère, hein, je vois Marc qui me regarde, mais voilà, on espère que tout va redevenir normal. Voilà. Donc voilà, bonnes vacances à tous, reposez-vous bien et puis à la rentrée de septembre. Merci à tous.